Hey, salut les amis, on se retrouve pour la suite de Far Cry New Dawn, épisode 15. J'espère que vous allez bien. Alors qu'on était en train de fuir avec l'avion sans aile, j'ai fait de la connerie. J'ai regardé sur le replay, j'ai vu qu'en fait le point en petit m'affichait à gauche. Je l'ai pas vu assez vite. Voilà, c'est ma faute, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai choisi dans l'instant comme ça parce qu'en fait je crois qu'il s'est pas affiché. J'ai pas regardé sur le replay en détail, mais. Je crois qu'il s'est pas affiché tout de suite. J'avais déjà décidé de prendre à droite au moment où on voit si on fait gaffe en haut sur le radar. Mais le problème c'est pour ça, j'ai voulu faire mon demi-tour, mais le jeu m'a empêché de faire demi-tour parce que j'ai pris trop de temps pour le faire. J'aurais peut-être dû le faire par la droite et moi j'ai fait par la gauche. J'ai voulu voilà, m'orienter à droite pour après faire demi-tour sur le côté gauche et j'ai carrément raté. Enfin, je le dis, c'est carrément moi, j'ai raté. Je me suis raté. Donc on suit le chemin de fer. Il y avait un mec à écraser ici. On peut se le refaire. Bah oui, regardez. Bah, je crois que j'ai vu une tête voler, je suis pas sûr. Par contre, il n'y a plus le quad, tiens. Ça va, franchement, c'est rapide, c'est juste là. On va pas se mentir. Par contre, faudrait peut-être que je me mette sur le pont, ouais. En suivant les rails. Donc faut que j'aille vers ma gauche. Donc on va se mettre à droite. Tac. Comme ça on vise la gauche ici. Ah ouais, non mais je sens pas les... C'est des barils ou des jerrycans. Ouah, il y a des poubelles. Non, sérieux. Waouh. Non plus. Oh, je le savais. Je savais qu'à un moment donné, il y allait avoir problème. Là, ça me dit à gauche. Hein. Voilà. J'essaie de suivre mon radar en même temps, mais tu te fais tirer dessus. Tu sens qu'il va y avoir des embrouilles. Je sais pas où je vais. Hein. Le problème, le jeu, il te fait suivre une trajectoire. Ça va péter, je sais pas, j'en sais rien. Qui peut pas tirer avec un gun quelque chose, lui. Je vais pas vous mentir, j'avais presque baissé les bras. J'aurais jamais cru échapper à ces ravageurs. Et c'est pas faux d'avoir essayé. Une fois, j'en ai assommé deux avec une clé à molette avant qu'ils tiennent sur moi. Ils ont dit que si je retentais quoi que ce soit, ils tueraient toute ma famille. Donc au moins, ça m'aura permis de savoir qu'elle était toujours en vie. Mais c'est vrai qu'il va retrouver sa femme et sa fille finalement. Je sais même pas ce que les chefs du camp. Je rappelle. Le véhicule est là, portez le véhicule, paniquerait, ouais, ok. Ah, j'imagine qu'en fait on va remonter la rivière jusqu'à Prosperity. Mais il y a un problème, c'est que normalement on peut pas. Ouais, genre il n'y a plus personne qui nous suit. Une fois que t'es dans le hangar, genre tu t'es garé, bim, t'as fait ton créneau, c'est bon, non? C'est quoi ce bordel? Il y a embrouille. Moi je dis qu'il y a embrouille quelque part. Non mais mine de rien, on avance bien dans le jeu quand même. Niveau secondaire, j'ai fait pas mal. J'ai monté aussi nos assistants là, nos partenaires au niveau 2. Ah bah voilà, qu'est-ce que je disais. On a même droit à une petite scène. Je suis sûr que je l'ai rangé quelque part dans le coin. Non mais t'es un fantôme en fait, on est mort et il te voit pas. Attends. Oh, mais elle était là, où est-ce que je l'ai foutue? T'as perdu quelque chose? Ouais, mon mari. Salut, je viens de le retrouver. Salut. Alors, normalement on a tous les experts. Cet instant émotion de la retrouvaille. Salut David. Salut. Merci. De rien, de rien. C'est mon côté barbe, ça. J'ai senti mes roues flaquettes ont senti qu'il y a un mec qu'il fallait que j'aide. Voilà, j'y étais. Je veux dire, je pouvais pas ne pas sauver. C'est bon. Alors je tiens à vous dire que là on a tout le monde. Les experts on les a tous, hein.
Ryunu. Donc moi je dis que ça sent le petit quelque chose. On a l'avion Carmina, mon gars. Préfère vous le dire, mais ça sent la misère. Allons voir. Ça c'est lui? Non, c'est Sharky, non? Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Base de bonnes et de mauvaises nouvelles. La bonne, c'est que j'ai trouvé Gina, la maman de Blade, l'âme sœur de Urk. La mauvaise, c'est que les ravageurs l'ont enlevée et qu'ils la forcent à participer au derby des prisonniers. C'est leur façon à eux de punir les membres pas loyaux et le vainqueur regagne sa liberté. Le seul problème, c'est que c'est complètement truqué. Personne gagne jamais et tout le monde meurt dans d'atroces souffrances. Ouais, faut croire qu'ils lui en veulent encore de nous avoir donné le bébé, plutôt qu'à eux. Sur leur casque à la con, ils adorent les bambins et franchement, je les comprends. Enfin, bref, faudrait que tu te débrouilles pour que Gina gagne et qu'elle reste en vie. Parce que c'est la maman de Blade et que notre famille, c'est sacré, ok? Et puis aussi, je sais pas si t'as déjà vu Urk quand il est triste, mais c'est moche. Il se transforme en gros tas de morve et j'ai pas besoin d'un deuxième bébé sur les bras. Alors pitié, je t'en supplie. Sauve Gina. Joue les snipers avec tous les connards qui s'approcheront d'elle. Ok, donc ça c'est le derby, mais j'ai l'impression que je crois que de toute façon il y a un truc avec le derby. Ah, c'est une mission annexe, ok. Ah oui, c'est une course de bagnole en fait, donc il va falloir faire du snipage. Ah ouais, j'ai fait pousser ça en fait, on a des plantes. Ok, ça fait directement pousser chez nous. Pour qu'on serve, pour avoir... Ah ça c'est cool. Intelligemment joué. En fait, t'es plus obligé de courir. Tu montes les... Je pense... Eh ouais, voilà, tous les temps, on a le droit à certaines plantes selon le niveau aussi qu'on a. J'imagine. Bon, il nous reste plus que 8 missions en termes de... De jeu, on est à Prosperity, ça ouais. Ok. Les ressources, j'ai pas encore assez. Ah, même pas, on est à 13. Il nous manque 9 missions. Ah oui, j'étais à 11. C'est moi qui dis de la merde, je ne sais plus compter. Il faudrait qu'on aille là-bas. Là, ici. Et le top, ce serait de stepper. Donc là, j'ai ouvert une mission annexe qui se trouve où, le derby? C'est ça? Ouais. Ok, c'est bon. Ouais, parce que Urk, lui, il a le droit à sa gueule. Donc, faudrait que je snipe les mecs en voiture, en fait. Ok. En même temps, j'ai le camp juste à côté, la raffinerie, ça peut le faire. Là, on va stepper là-bas, on va aller revoir Nouvelle-Éden. J'avoue que depuis la dernière fois, on va profiter. Ah, je vais devoir nager s'il n'y a pas de bateau, ça c'est relou ce truc. Eh ouais, c'est une île forcément. Mais ouais, il faut qu'on avance. Faut qu'on fasse le taf. Bah lui, il a un truc à nous dire. Oui, j'ai toujours pas acheté la carte cartographie. Voilà, moi je veux parler à lui. Il peut me donner un indice pour le coin. Mais les ravageurs ont tout foutu en l'air. Il faut que tu te débarrasses d'eux pour qu'on reprenne nos stocks d'éthanol. Ok, camping avant-poste. Je pense que les avant-postes, on les a quasiment tous, hein. J'ai pas vérifié, tiens. Combien on a fait, sachant que des doublons, j'aurais pas dû en faire beaucoup. Avant-poste, on est à 10, ouais, sachant qu'il y en a au moins 2 que j'ai pas fait. Mais non, ah là là, bolos. Les expéditions, il m'en reste au moins 5 à faire minimal. Donc j'en ai 2 là. Ça fait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ouais, je pense qu'on a tous les avant-postes ouverts. Il y en a donc 2 que je n'ai pas fait pour l'instant. Il y a quoi se faire de l'éthanol? Sans déconner, il y a de quoi faire. Je me trompe pas. Là-bas aussi, il y a beaucoup de choses. Je sais pas si on va y aller, mais je pense que oui. Allez, allons retrouver la suite du jeu. Un problème, c'est que j'aurais voulu trouver un bateau, mais j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Ça, c'est mal foutu. Je n'ai pas mis un petit bateau dans le coin. Ça fait un peu chiant. On va se le taper à la nage, tant pis. Ah, il y a les barracudas.
J'ai oublié cela. Oh, j'ai 2 barres de vie, ça devrait aller normalement. Ah oui, la dernière fois, rappelez-vous, on avait fait avec Joseph, avec les panneaux. J'avais un peu galéré. Ça m'avait un peu gonflé, mais on s'en était sorti. Mais j'avoue que j'aime beaucoup ce jeu. J'aime beaucoup. Autant le 5, si j'avais joué qu'au 5, je vous aurais dit putain, ça m'a gonflé, ça m'a saoulé, ça m'a frustré. Mais là, pour l'instant, je trouve que le jeu, on s'en sort bien. Si tu joues en farmant un petit peu, il n'y a pas besoin de farmer comme un porc non plus. On va pas se le cacher. On va pas se mentir. Mais si tu joues tranquille, voilà, tu veux pas aller trop vite. C'est sûr que si tu veux aller trop vite, et tu veux jouer juste avec le jeu avec tes armes de base, tu vas galérer. C'est clair et net. Mais si tu joues tranquillement, voilà, limite mode détente, tu fais du à côté et pas que l'émission, tu fais mince éthanol et puis ça marche. Hein. Y a pas à se faire chier. Je vais regarder un truc. Ouais, non, mais je trouvais ça super foncé sur le retour. Bon, ça allait un peu, mais parce que c'est moi qui ai pas spécialement beaucoup de. Comme il fait jour, j'ai pas beaucoup de luminosité sur le PC. J'ai l'habitude d'être souvent basse luminosité. Je suis pas quelqu'un qui m'agresse. Je m'auto-agresse pas avec, avec la lumière. Par contre, c'est lent, les gars, là. Putain, 600 mètres, ouais, j'aurais dû piquer un bateau quelque part. Mais je crois qu'il n'y en a pas dans le coin. Bon, je devrais presque y être, il doit me rester quoi, 100, 100 mètres, ouais, allez, peut-être 150. Allez, on se fait 2 mètres seconde. Ah, mais le problème, c'est que si tu restes pas appuyé... Non, ça va. Je sais pas pourquoi des fois il relâche. De toute façon, l'agression, non? Allez, on y est. Bon, désolé pour ça, mais forcément, j'ai pas de meilleur TP. Là, justement, le camping, il est où? J'ai pas fait gaffe. Ah ouais, non, mais c'est carrément de l'autre côté, quoi. Il y a pas de TP au nord. Le meilleur, c'est celui-ci. Donc c'est un peu de la dope. Si j'ai des missions dans le coin, j'ai intérêt de les enchaîner tout de suite pour pas avoir à revenir à chaque fois. Sinon ça va me gonfler, je vous avoue. Ça me gonfle. C'est rien, c'est juste un pillard. Alors vous allez me dire, il a peut-être du bon stuff, mais... Ah putain, ouais, j'avais oublié. Des genres de petites îles. C'est des îlots. J'avais oublié ça. Il fallait en traverser. Alors moi, j'y suis presque. Faut peut-être traverser encore une fois. Ouah, j'ai sauté. Non, c'est bon. Alors, putain, mais c'est pas la porte à côté, sa mère. Hein. Des wapiti. Mange glisse. Non, mais ça va, sans déconner, ils ont corrigé ce petit truc là, comme ça. Bon, c'est un peu abusé, mais bon, on est sur un jeu arcade. Sincèrement, moi qu'on glisse, ça me choque pas. Ok, la porte est là. Ouais, la dernière fois, on nous a fermé la porte au nez, rappelez-vous. T'es un peu vénère. T'arrives ici et je me suis dit what? Bonjour. Ah
Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous demander? On a le droit de rentrer? Ah oui! Un feu crépite au loin. Il parle pas, lui. C'est Robin des Bois. Feu de l'Éden. Je vous jure, je le sens pas avec eux. Il y a une difficulté 2. Suivez le judge. Mais je l'aime bien, le perso. Normalement, on peut le débloquer, lui, dans nos compagnons. Là, je t'attends. Mais je sens pas ce qu'il va nous demander. Il y a des cadavres à terre. En tout cas, il y a un truc qui brille, là. C'est le gang de Robin des Bois. Il faut se rappeler que normalement c'est censé être les anciens de l'Éden. Et les fanatiques du 5. Jamais n'aura le droit de boire. Les gens vont me faire boire. Peut-être. Ah, il y a un grand feu de camp, c'est quoi? On va faire un truc chaman? On combat les ravageurs depuis des années. Non, je croyais que si je m'arrêtais, il s'arrêtait aussi, mais non. Je vais voir le grand chef. Entrer dans l'église. Ah oui, ils ont fait une église avec des morceaux. Pas trop beaucoup ça, je préfère vous prévenir. Oh là là, ils ont réigé le portrait de Joseph. Je ne t'imaginais pas comme ça. Qui est Anne? Mais peut-être te dis-tu la même chose. Si tu es venu parler à mon vieux père, bien. Ça note fils à Joseph. As-tu trouvé le livre? Sais-tu ce que tu m'apportes? La parole de Joseph. Ses idées, ses conseils, son savoir. Et sa démence. J'ai cherché partout ce livre. Joseph disait que celui qui le trouverait serait choisi par Dieu pour régner pleinement sur l'Éden. C'est moi que je l'ai trouvé. Et c'est toi qui viens pour nous le rapporter. Ça aurait dû être moi. C'est vers moi qu'ils se sont tournés quand il est parti au nord. C'est moi qui empêche cette famille d'éclater. C'est moi qu'ils ont choisi. Je suis celui qui les protège des cafards et des serpents. Je nous maintiens tous en vie à l'abri de ces murs. Pas mon père, moi. Ouais, mais c'est un autre taré. Mon père voulait bâtir un paradis, mais au premier problème, il s'est enfui. Oh, les sous-titres tellement décalés, ça, franchement, ils auraient pu faire un effort. Tu es venu chercher son aide. Mais Joseph est mort. Personne n'a envie de l'admettre, mais c'est la vérité. Notre famille croit encore en lui et il y a peu de chances que cela change un jour. À moins qu'elle comprenne qu'il n'était pas vraiment un messie. Qu'il n'était qu'un homme. Tu dois m'aider. Ramène-leur une preuve de sa mort. Et j'aiderai ton groupe. Mais pour que ma famille te laisse voyager au nord, prouve d'abord ta valeur. Allume la flamme de l'Éden. Allume la flamme noire. La bougie à flamme noire. Les gens connaissent cette marque. Ils te mèneront à la flamme. Quoi, t'as du sang noir ou quoi? Parce que sinon je prends mon sang, je fais exactement la même chose, quoi. Bon, en tout cas, on m'a expliqué pour aller au nord, je peux pas faire comme je veux. J'ai déjà entendu ça quelque part. C'est naturel pour moi de défendre mon... Non, mais c'est le clan des Robin des Bois ici, c'est le Moyen-Âge. Genre, j'ai l'impression d'être au Moyen-Âge. Je suis désolé pour Prosperity. Bah, les mecs, ils ont fait une confrérie. Ça a l'air moins dingue que ce que c'était l'Éden à l'origine. On va se mentir. J'ai l'impression de vivre un moment prophétique. Bonjour. Vous avez été madame désigné. Ethan vous a désigné. Vous souhaitez rallumer la flamme du nouvel Éden. Les ravageurs qui ont envahi nos terres l'ont éteinte. Elle se trouve au pied de ce qu'il reste de la statue de Joseph. Ah, c'est ce que j'allais dire. Un pêcheur, il y a bien longtemps. On me rappelle qu'on l'a vu, il me semble.
Vous y croiserez un groupe d'élus. Ils vous aideront. D'accord. Ok. Là les gamins. Premier qui me fait chier, je vous déglingue tous. Hein. Je préfère vous le dire, attention. Je suis pas du genre à rigoler moi. Je suis un vrai fou. Ouah, c'est loin, c'est où je dois aller? C'est où déjà la statue? Ah oui, c'est en plein milieu. Donc suivre. Ah, mais j'ai un TP juste là. Mais c'est magnifique, sachant que j'ai rien à voir à part faire de la nage et qu'on va mettre une semaine. Je préfère vous dire c'est mort. Je vous évite la nage. Comme ça, si on peut essayer de finir cette mission-là direct, on serait bien. On aurait fait 3 missions en 2 épisodes. Je pense que c'est pas mal. Sachant qu'on est quoi, au 15e? Vraiment, ça veut dire qu'il faudrait finir dans entre 5 et 10 épisodes. Je pense qu'on peut le faire. Belle journée, hein? Calme-toi. Parle-moi. J'ai vu les ravageurs reprendre notre antenne. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais sûrement rien de bon. Ah oui, c'est vrai que de toute façon, il me faut mon truc. D'accord. Attends, je vais regarder un truc. Base. La base. Je peux acheter la cartographie de toute façon maintenant. Ça me coûtera 75, c'est ça, il me faudrait 30. Parce qu'après, il va me falloir, je crois, 700. Voilà, donc il me faudrait 730 d'éthanol. Mais là, il me faut juste un aménagement vu que j'ai tout pour avoir la base à fond. Et la base à fond veut dire que je peux prendre la fabrication d'élite. Donc les armes légendaires. Si on veut être tranquille, je pense que c'est le mieux à faire. Donc je pense que ce sera notre plan. Ça devrait pas être trop compliqué. Oh là là, mais toujours la nage. Le jeu où il y a que de l'eau. Ah, je sais, j'ai dit, j'adore la nature. Ce que vous voulez, je trouve ça cool, ouais. Ah, quand il y a de l'eau partout. Alors, vous allez me dire, dans les fougères, là, il y a des serpents, des bêtes. Il doit y avoir des trucs chelous. Ça doit pas être mieux au final. On est d'accord. Vous êtes qui, vous? Les pecnos du coin. Je pense que j'aurais dû prendre le chemin. J'espère qu'on peut grimper par là. Mais en vrai, j'aurais dû prendre la route. Ouais, c'est bon, on a de la chance. De justesse, hein. Ouais, je sais, c'est pas bien. Pourquoi je me fais tirer dessus? Ah, j'aurais dû profiter. Il y a un largage qui arrive. Ah, de l'antilope. J'avais pas tué d'antilope, je crois. Bah voilà, saison de l'antilope, ça me donne des points de défi. Ça, c'est plutôt bien. Alors, il y a un avion quelque part. Ça m'intéresse grave. Mais si je vois pas le largage, il est là. Là, j'ai l'impression qu'il est au-dessus de ma gueule. Oh putain, c'est à l'autre bout d'où je suis. Ça, c'est pas cool. Quoique, peut-être pas, non. Il y a peut-être pas besoin. Ah si, chier. Mais ça veut dire éthanol, quoi. Éthanol, ça veut dire avoir mon dernier aménagement. Oh, on est yimbe. C'est bon, il m'en fallait 30. Donc il nous en faut plus que 662, je crois. Un truc dans le genre. Et en plus, on s'est pas fait cramèche. Ah, le niveau 3 d'expédition aussi, en plus, ce qui est cool, c'est qu'on peut avoir des largages dans notre camp, dans nos camps, ou à Prosperity, dans notre base, voilà ce que je voulais dire. Attendez, je regarde ça. Non, mais comme ça, je le fais avec vous. Normalement, on est yimbe. Eh ouais, regardez. On restera 8. Parfait, tout ça. Ça, on peut le faire. Ah, il faut que j'aille à Prosperity, ok. Bon, ça, on le verra plus tard. C'est quoi ce bruit de... de lion? Je suis pas dans la jungle. J'ai 3-4 antilopes devant moi et j'entends un bruit de lion. C'est quoi cette arnaque?
Oui, y a un truc qui se charge. Ah, c'est des wapiti là, je sais pas quoi. Les yakari. Je crois que c'était ça. Ça semblait pas être de l'antilope. Trop de bois sur le crâne. Non, mais on voudrait finir ça. Oh là là, il faut redescendre en plus. Les montagnes du Montana. C'est un peu comme les buildings de... Comment dire ? De GTA. Attendez. Qu'est-ce qui se passe ? Je me demande si cette étrangère est bien la réponse à nos prières. On doit se préparer. Ah, mais c'est bon, j'ai mon propre arc. Regardez. Moi, j'ai un arc de ouf. Wow. Comment tu pop comme ça, toi ? Beaucoup ont tenté d'allumer la flamme de l'Éden. Et tous ont échoué. Les ravageurs sont nombreux autour de la flamme, et ils tuent sans pitié. Notre meilleure option contre leur nombre et leur puissance de feu, c'est de les tuer discrètement, par la ruse. Nous t'avons apporté une arme digne de la mission sacrée qui... Oh, mais j'ai un de mon arc, moi, y a pas moyen. T'en équiper. Les autres élus t'aideront. Maintenant, suis-moi. Voilà, en gros, si t'avais pas d'arc, t'étais obligé de faire la mission avec un arc. Non, ils sont sérieux. Non, on est d'accord, c'est bon, je peux le prendre le mien. Pas peur comme ça. La flamme est avant tout un symbole, plus qu'un outil. On a besoin de sa lumière, un pied. Bon, ça fait chier parce que le jour se lève. Avec la nuit, on aurait eu un avantage stratégique. Ah mais il me fait chier de lui s'arrêter tous les 10 mètres. J'ai peur moi, à chaque fois je crois qu'il y a quelqu'un. C'est quoi qu'est-ce ? Bam. Ça, je suis un fou en vrai ou pas? Quoi ce bordel? Il vient de me dire qu'il y avait quelqu'un. Oh mais te mets pas devant. Tout de lancer. Quoi ce bruit? Là, j'ai vu un mec. Bah oui, moi aussi je suis Robin des Bois. Non mais le truc c'est que dans le 5, j'utilisais souvent l'arc. Donc ça va, je suis entraîné normalement pour ce genre de mission, même si ça fait un moment qu'on l'a pas utilisé. Parce que l'arc du début, j'avoue, c'était de la merde, hein, on va pas se mentir. Bon, normalement c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Calme-toi. Ah non, je croyais qu'il faisait des barbecues, moi, dans le coin. Je vous jure, j'y ai cru. Marche. Bah j'ai pas dit je foutrais pas le bordel quoi.
Oh. Oh, j'ai pas de bol. Mais non, je l'ai pas touché là. Il y a encore la musique, j'aime pas ça. Non, c'est bon. C'est pas trop beaucoup ça. Bonjour. Il a foutu le feu partout le mec. Ah oui, non mais... Non mais le chien, il va encore les scramer. La dernière fois, il était scramé en derrière là-bas. Ah bah je vous ai dit, moi je suis un malade. Oh. Oh mais elle m'énerve là. Sérieusement, c'est quoi qui faisait que ça touchait pas là? Non mais vous êtes sérieux, y a rien là. Hop, on sauve le Klebs. Non mais George, t'es pas touché. J'ai tapé dans quoi? Tu peux de ma gueule. Attends. Je pille un peu là. C'est bien gentil mais... Des flèches et autres. Mais qu'est-ce qu'ils font C'est bon, mon chien, il a fait le taf. Le meilleur ami de l'homme, faut pas l'oublier. On va peut-être se faire le petit break ici, moi, je vous dis. Hein. Mais mine de rien, on a pas mal dépassé. Donc, les amis, je vous retrouverai au prochain épisode pour la suite de cette aventure, le feu de l'Éden. On verra ce que ça va donner, ce que ça nous apporte. Désolé, on n'a pas pu finir, hein, j'ai voulu avancer. Mais c'est lié à la nage, voilà, il faut le dire, c'est la nage pour aller jusqu'au Nouvel Éden. Je vous laisse ici, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.